certains hôpitaux qui n'avaient aucune habitude en la matière ont vu leur demande de téléconsultation exploser de 600, 1000, 4000% dans un laps de temps excessivement court. La raison de ce second livre, c'était de me poser la question: quel est l'impact de cette crise sanitaire sur nos sociétés, et en particulier sur le système des soins de santé? Et quelle est l'évolution technologique que j'avais déjà décrite dans le premier ouvrage, mais qui a explosé finalement et qui a profité de ce manque d'accessibilité pour, je pense, s'établir définitivement? S'il fallait en citer un, une technologie qui n'est pas nouvelle, mais qui avait du mal à percer parce qu'elle était mal perçue par le monde des soignants et peut-être également par les patients, c'est la téléconsultation. Je ne parle pas des consultations par téléphone, c'est un peu réducteur. Je parle vraiment d'une sorte de visioconférence avec son patient. On a vu réellement une explosion du jour au lendemain. Je ne suis pas en train de dire qu'on va complètement modifier notre manière de travailler et remplacer les consultations en présentiel par des consultations en visioconférence. Je pense que l'avenir, c'est vraiment une interaction entre les deux modalités de consultation. Pendant cette crise, on a vu ce genre de développement technologique et également des systèmes qui permettent de mesurer des paramètres physiologiques à domicile. Certains d'entre vous sont déjà équipés par des montres connectées qui vous donnent un certain nombre de paramètres de santé. Et on a vu ce marché réellement exploser pendant cette crise sanitaire. Premier constat, donc on voit en effet que beaucoup de ces applications ont été étudiées en collaboration avec l'industrie et des groupes universitaires américains. Il en résulte que ces applicatifs sont très utiles et il vaut mieux avoir un minimum de données que pas de données du tout pour tous ces patients qui, pendant une crise sanitaire, n'ont aucune accessibilité aux soins de santé. Donc ça, pour moi, c'est deux exemples d'une technologie innovante qui vraiment a percé et qui va persister, je pense, dans les années qui viennent. Il devrait intéresser tout citoyen, puisque finalement, nous sommes tous des patients potentiels. Nous devons savoir finalement dans quel système de soins de santé nous sommes. Quelle est la qualité de ce secteur des soins? Vers quoi doit-il évoluer pour répondre à nos attentes en tant que patients? Il fait également état, je pense, des problèmes sociétaux auxquels nous sommes confrontés en tant que citoyens. Et on y évoque l'avènement des nouvelles technologies dont nous sommes déjà tous témoins. Et je pense qu'il faut être attentif à ce développement technologique, parce que le train passe, il vaut mieux embarquer dans le wagon avant qu'il soit trop tard. Et il faut aussi être prudent en matière de l'utilisation de ces technologies. Donc je pense qu'il est temps de sensibiliser pas simplement le monde des soins, mais également les patients à cette évolution technologique.